Jeudi 26 novembre 2020, la Fédération des entreprises du Congo a tenu au Pullman Hotel de Kinshasa son Assemblée générale ordinaire et élective pour l'exercice 2019. Conformément aux dispositions statutaires de cette Assemblée générale ordinaire et élective, elle avait à l'ordre du jour l'approbation du rapport du Conseil d'administration sur les activités de la Fédération au cours de l'exercice 2019, l'audition du rapport des commissaires aux comptes, l'approbation des comptes de l'exercice 2019, la décharge de sa gestion du conseil d'administration, le régime de cotisation de l'exercice 2020, ainsi que l'élection des administrateurs et commissaires aux comptes. Le caractère électif de cette Assemblée générale ordinaire a permis aux membres du conseil d'administration de désigner le président national de la FEC conformément aux prescrits des statuts de la Fédération et du règlement intérieur du conseil d'administration. À l'issue du scrutin, c'est à l'unanimité que M. Albert Yuma a été réélu à la tête de la Fédération. Je pense que je n'ai pas autre chose à dire qu'à vous dire toutes et tous merci, grand merci. Ce n'est pas tous les jours que dans un processus électoral, on a l'adhésion unanime de ses collègues. C'est une obligation nouvelle. C'est vrai que ça fait déjà longtemps que vous me faites confiance. Je crois que les circonstances du moment m'ont fait que je me représente. Beaucoup savent, je me suis représenté, notamment pour s'assurer que la FEC restera indépendante, hors de toute pression. Et en voulant aussi laisser un héritage à notre fédération d'un plan de développement qui devrait renforcer notre autonomie financière et notre indépendance. Et peut-être aussi faire de nos structures quelque chose de réellement représentatif dans la ville de Kinshasa. L'occasion pour lui de remercier les membres de la FEC pour la confiance lui réitérée pour ce nouveau mandat de 3 ans et de présenter sa vision pour une nouvelle FEC.